Avec ceux qui disent que ça ne nous concerne pas. Non, l'Église reste une. Elle reste une. L'unité de l'Église n'est pas à remettre en cause. Il n'y a pas une Église des gens de gauche. Le Christ est le même. Et les prescriptions morales sont identiques. Elles ne sont pas culturelles. Les vérités morales, les vérités de foi ne sont pas culturelles. Elles sont immuables. Nos traditions, nos cultures sont changeantes. Mais les vérités sont identiques, elles sont fermes et solides, et elles traversent les siècles, les générations, parce qu'elles sont identiques, et qu'elles ne changent ni de couleur, elles ne sont pas changeantes par rapport à un lieu, ou par rapport à une génération, elles sont les mêmes. Et c'est ce qui fait la force de notre Église, c'est qu'elle s'applique sur un roc solide, qu'est la doctrine, cette doctrine qui est venue du Christ lui-même, et l'Église en est la gardienne. Donc aujourd'hui, ce n'est pas mauvais d'en parler. Ce n'est pas mauvais de penser que non, ça concerne les autres. Non. Saint Paul, l'apôtre, nous dit, nous sommes comme un corps. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Quand un membre est à l'honneur, tous les membres sont à l'honneur. Autant nous célébrons les saints occidentaux avec joie ici. On n'a jamais dit que tel saint comme cet homme blanc, c'est pas notre saint. Autant nous reconnaissons les vertus évangéliques à travers un homme, qu'il soit de tel lieu, de telle nationalité, ça ne nous importe pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que l'homme de cultures différentes, de nationalités différentes, a donné de Jésus-Christ, a repris la vie de Jésus-Christ à sa manière, et cette vie de Jésus-Christ
édifie les autres. Quand nous lisons les vies des saints, on ne lit pas avec des lunettes culturelles, des lunettes, comment je peux dire, d'Afrique. Oh, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ces valeurs culturelles, mais la vérité de sa vie. La manière dont cet homme a vécu les conseils évangéliques. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la couleur d'un pape, son poids, ou ses valeurs culturelles, mais ce qui nous intéresse, c'est sa manière de dire Jésus et de le vivre en action. Donc, chers frères et sœurs, nous devons connaître ce qui se passe et en parler. Et nous devons prier pour ce qui se passe parce que l'Église doit être une. Et il est important, chers frères et sœurs, de comprendre pourquoi dans la préface de la messe, nous prions pour nos autorités religieuses, le pape, les évêques. Ce n'est pas une complaisance. Ce n'est pas un simple protocole liturgique. Non. Vous devez prier pour vos autorités parce que c'est la tête. Le pied n'a jamais décidé. C'est toujours la tête d'autre. Le pied porte la tête, mais c'est la tête qui est ce bonhomme qui ne connaît pas le poids. Mais cette cabosse-là, que nous avons là, c'est elle qui décide. Parfois, le pied fatigué, il dit au pied, tu vas relâcher. Parfois, la main fait mal, la tête dit, tu vas faire. Parfois, ça pleut, ça chauffe, la tête dit, il faut faire. Donc, l'Église, ayant su depuis les temps les plus immémoriaux, ô combien seront confrontés les responsables de l'Église à demander qu'on prie beaucoup pour eux. Vous devez beaucoup prier pour vos prêtres, pour l'Église. Vous connaissez le fameux adage, pour atteindre un troupeau, qu'est-ce qu'on fait? On s'attaque à son pasteur. C'est simple. Ce n'est pas le pasteur qui est recherché. C'est le troupeau qui est visé. Et on sait que si on s'attaque au pasteur, qu'est-ce qui arrive? Le troupeau va, c'est la débandade totale. Et c'est ce qu'on risque d'arriver si on ne se ressaisit pas, si nous ne voyons pas la chose avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de spiritualité, avec beaucoup de vision de valeur du Christ. De la vie de Jésus lui-même, il y a eu des querelles. N'as-tu pas demandé à certains apôtres pourquoi vous ne partez pas? Non. On ne l'a jamais dit pourquoi on est parti sur 12 apôtres et finalement 11 avec la trahison de Judas. Jésus avait demandé à certains apôtres que gagner la route. Non. Parfois les vérités de Dieu ne font pas l'unanimité, même au sein même de ceux qui les incarnent. Ils devront être assez matures pour comprendre cela. Il y a des théologiens. Voyez-vous, quand on parle de théologie, la théologie est cette science qui dit Dieu. Même dans la théologie, il y a des courants théologiques qui s'affrontent. Tous les théologiens ne parlent pas de manière unanime. Parfois, ils sont discordants sur des questions qui sont sérieuses. Chacun peut avoir sa démarche scientifique, mais parfois qui n'atteint pas la vérité, mais qui est une démarche qui fait école. C'est pourquoi vous allez trouver beaucoup d'écoles de théologie. On va te parler d'école de Saint-Anselme, l'école de Bonaventure, de Saint-Thomas d'Aquin, de Saint-Augustin. Les écoles de théologie. Il y a chaque école de théologie qui correspond à une vision. Mais l'Église n'est pas faite des écoles de théologie, l'Église est faite de la doctrine. Il y a donc au sein de l'Église des cardinaux qui s'occupent de la doctrine et le pape en incarne. Aujourd'hui,
Nous devons prier au-delà de nos problèmes. J'ai faim, j'ai soif, la fête de Noël. Mon mari ne me regarde pas bien, ma femme fait ceci. Le temps que nous traversons nous invite à comprendre, chers frères et sœurs, notre responsabilité historique. Par rapport à ces situations que nous traversons. Comme je l'ai dit tantôt, le problème que nous traversons soulève le problème au péché, à la justification du péché. L'Église nous avons dit oui pour prier pour la conversion de ces pécheurs. L'Église du Cameroun refuse d'accorder des circonstances qui prêteraient à une validation de ce qui est nocif à la société, qui est nocif même à l'individu. Vous voyez, le mariage, c'est l'amour qui ouvre à la consommation sexuelle et qui ouvre également à quoi? À la pérennité de la famille. Un homme et une femme se marient pour fonder une famille, donner des enfants, leur donner une éducation. Contrairement au visé de ces rencontres de même sexe, qui n'ont aucune suite à voir, ni sur le plan social, ni sur le plan familial. C'est la stérilité totale. Avec tout ce que nous pouvons rencontrer. Alors, chers frères et sœurs, cette situation qui est d'actualité, même si on ne veut pas la rencontrer, on l'a encore, aujourd'hui, partout dans les médias, dans les réseaux sociaux, nous devons avoir une posture des hommes et des femmes qui prient. C'est pourquoi les textes que nous avons écoutés aujourd'hui sont des textes qui nous donnent les armes et les éléments pour comprendre que être chrétien, c'est un combat. D'abord, le cantique de Salomon que nous avons écouté, le cantique dit que Dieu rend riche et pauvre. Dieu élève et rabaisse. Un Dieu fort. Ce cantique réitère la puissance de Dieu. C'est Dieu qui est dans l'Église. C'est son Église. D'abord, Jésus a dit qu'il verrait son Église et que les portes de l'enfer ne pourront pas s'ouvrir.